Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystice et Fibrae. Mystice et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 23e jour de Vlogtober. Alors sur ces Vlogtober spécialement consacrés au cottagecore, aujourd'hui j'avais envie qu'on parle un petit peu d'éco. Vaste sujet et je ne vais pas, vous dire que je vais en faire le tour dans ce petit quart d'heure qui est consacré à cette vidéo comme toujours, mais je vais vous dire un petit peu mes pistes, comment moi je fais et quelles sont mes envies, mes guides pour décorer en style cottagecore. Voilà. Alors, revenons donc à la base du cottagecore. La base du cottagecore, oui je sais, ça vous a halluciné, c'est incroyable, c'est le cottage. Waouh ! Incroyable. Donc, voilà, on essaye de s'inspirer des cottages, alors encore une fois, de l'imaginaire qu'on a des cottages anglais, hein, parce que Dieu sait que entre le 19e et début 20e, déjà, les cottages ont beaucoup évolué, et en plus, qui a envie d'avoir de la terre battue chez soi? Dites-moi, voilà. Personne, hein, c'est un enfer à nettoyer, non, on ne veut pas ça. Donc c'est un imaginaire, hein. Je le rappelle, si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à voir la vidéo controverse, parce que voilà, on est sur une exaltation d'une idée, voilà. Donc, le cottage anglais, donc j'ai dit 19e, début 20e, dans la campagne, c'est possible. On s'inspire bien sûr des romans, pareil encore une fois, j'ai déjà parlé des romans dont on s'inspire, Anne de Green Gable, La petite maison dans la prairie, Brumberly Age, vous qui savez, vous savez. J'en oublie, hein, Pierre Lapin, voilà, ce genre de choses, ces imaginaires-là. Bien sûr, l'art de la même époque. Voilà. En gros, c'est sur ces bases-là qu'on va pouvoir imaginer nos intérieurs. Si on veut faire du cottagecore. Attention, je persiste, hein, ça n'est pas une obligation. Voilà. Donc, comment on va faire pour que nos maisons modernes, voire nos appartements, puissent correspondre à cette esthétique, ma foi, pas usée, mais désuète. Je pense que le mot d'ordre c'est désuet. Hein. le plus facile et le moins onéreux, ça va être de chiner, de récupérer, d'aller dans les ressourceries ou même de vieillir artificiellement certains meubles, tout simplement. Emmaüs est votre meilleur ami. Vinted, quoique pour ce genre d'esthétique, commence à être relativement cher, Vinted. Mais on trouve bien sûr de la déco sur Vinted, n'hésitez pas. Il y a aussi donc des choses qui peuvent être neuves mais ressembler à du vieux. On en trouve beaucoup chez nos amis de chez Ikea. Ils ont bien compris que la mode revenait vers ça, donc ils nous proposent ça parfois. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Je sais que Maison du Monde ont un style aussi un petit peu qui peut correspondre. Enfin voilà. C'est un style finalement qui est juste comme il est traditionnel et intemporel, j'aurais tendance à dire. Eh ben, on le trouve relativement facilement. Mais Le Bon Coin, Vinted, Emmaüs, les différentes ressourceries des différentes villes où vous êtes, normalement vous devriez facilement trouver des choses qui vous plaisent. Le but à atteindre, oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt l'envie, c'est de créer une maison cosy, une maison confortable, j'aurais même tendance à dire une maison moelleuse. Vous pouvez rajouter tous les plaids que vous voulez dans tous les coins, des plaids, des patchworks, des machins. Moins ça à la mode, mieux c'est. Enfin si, à la mode cottagecore quoi. Confortable, des coussins dans tous les sens. Moelleux, je vous dis moelleux, voilà, c'est ça, des canapés confortables. Qui remontent un peu avec, vous savez, avec des accoudoirs pour pouvoir poser ses bras, pour pouvoir être tranquille pour tricoter. Oui, je suis sûre que vous voyez bien de quoi je parle.
De toute façon, je vais vous mettre une petite. À la fin, je vous mettrai une petite partie de vidéo que j'ai filmée sur ma maison pour vous montrer un petit peu comment c'est fait chez moi. Alors, c'est pas un. Comment dire, c'est pas. C'est pas un but à atteindre. Je pense que vous avez entendu mon mari éternuer là. C'est pas un but à atteindre, mais ça vous montre un petit peu quoi. Donc, voilà, c'est tout. Du coup voilà, on n'hésite pas non plus sur les bougies, les bougeoirs, les points de lumière douces et pas ouais doux. Les points de lumière, les vieux. Comment on dit? Ah mince, comment ça s'appelle ces choses? Les vieilles lampes, vous savez, qu'on pose dans les coins, enfin voilà. La lumière pas mal indirecte. Tout le contraire de chez moi là par contre, mais bon, moi j'aime bien y voir là, ça. Plaid, coussin, j'ai dit, fauteuil. Ah, j'ai oublié les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est très important, c'est ça, c'est très très cottagecore, d'avoir des immenses bibliothèques toutes décorées. Alors, j'ai beaucoup de bibliothèques chez moi. J'en ai un peu moins maintenant, mais 6 quand même. 7. Bon, celle-là ne sert pas de bibliothèque, mais ouais. J'ai 7 bibliothèques à la maison. Pleines, toutes. Et pourtant, je vous jure que je fais du tri dans les livres. Et très peu décorées pour ma part. Je n'aime pas laisser mes bibliothèques avec des endroits vides pour y mettre des bibelots, alors que je pourrais y mettre des livres. Vous voyez, bon. En tout cas, les bibliothèques, ouais, ça peut être sympa. Et franchement, quand on regarde les bibliothèques décorées, je trouve ça tellement beau. Mais moi, je peux pas. Je veux dire, si je peux mettre un livre, et ben, je vais le mettre. Ah non, j'en ai oublié une. 8 bibliothèques, excusez-moi. voilà, donc les livres, c'est sympa aussi. Puis même en mettre n'importe où, ça décore toujours un peu les beaux livres, un petit peu comme Anne de Green Gable, en laisser traîner sur la table. C'est toujours joli. La dentelle, c'est très. La dentelle sur les meubles, ça fait toujours aussi facilement cottagecore. Si vous avez dans les malles de vos grands-mères un petit peu des carrés de dentelle, tout ça, des petits. Je sais plus le nom. Bon, de la dentelle. N'hésitez pas, les grands rideaux. Alors, moi, j'ai de rideaux nulle part parce que. Ça ne s'y prête pas. Si je veux mettre des grands rideaux, soit je les mets sur le lapin, il va me les bouffer, soit je les mets sur des chauffages, donc bof, on est d'accord qu'on est sur du bof là. Donc non, chez moi pas de grands rideaux, mais ça peut être une bonne idée aussi, des rideaux, des nappes aussi. Voilà, privilégier les tissus, c'est super sympa, ça habille et ça réchauffe une atmosphère aussi. Et donc je voulais aussi vous parler des saisons. Alors ça, je l'ai découvert avec Caro from Woodland. Je vous avoue que chez moi, avant, ça c'était avant, il y avait plein de choses, pas mal de bazar, beaucoup d'objets liés à des souvenirs, mais pas vraiment organisés. C'est-à-dire que s'il y avait un coin, bon, bah, je posais là, c'était pas mal, plusieurs bibelots ensemble, ça le faisait bien, mais il n'y avait pas vraiment de réflexion derrière. Avec Caro from Woodland, j'ai découvert la décoration de saison. Vous en avez un exemple derrière, hein. Voilà, là on est en automne. Et du coup, bah, ça m'a amusé et j'ai essayé. Donc au début, bah, on achète un truc, deux trucs, trois trucs. Et puis au bout de 3 ans, on commence à en avoir pas mal. Surtout pour la saison qu'on aime, faut dire ce qui est. Ma déco d'automne explose, ma déco d'été est inexistante en fait. Hein. C'est printemps-été chez moi, ça suffit. Puis dès que je peux, je passe en automne. Mais bon. Du coup, ouais, la décoration de saison, c'est bien sympathique aussi. Et je trouve que ça donne un peu de vie, la déco, finalement. Même si mon plaid d'automne, il est tout le temps sur mon canapé, parce que je l'aime d'amour et que j'ai pas fait un plaid par saison. Mais ça viendra peut-être, qui sait. Je sais que il y a des housses de coussin qui vont être plus claires, plus roses, plus. Et elles vont revenir plutôt bah, en printemps-été. Des choses un peu plus rouges et bleues vont revenir plutôt en hiver. Et les choses un peu voilà, plus marron-orange, elles plutôt en automne, pardon, je vais dire une bêtise. Voilà, donc ça peut être. Et je trouve que de changer comme ça les
tissu de sa maison finalement, et ben ça apporte du renouveau dans notre maison. Déjà ça force à faire le ménage. Voilà, celle qui aime autant le ménage que moi, vous me comprenez. Ouais, ça force un petit peu à aérer tous ces tissus, ce genre de choses. Et je trouve que ça donne beaucoup de renouveau et une énergie différente dans la maison à chaque fois en fait. Là on est en automne, on est dans le cosy, j'ai des plaids de partout, je vous jure. Au printemps c'est moins, j'ai moins besoin d'avoir des plaids, par contre j'aime bien toujours avoir des coussins. En été je suis juste contente que mes canapés soient pas en cuir, déjà juste ça suffit. Et en hiver pareil, j'ai pas mal de plaids, mais on n'est pas sur la même couleur et je trouve qu'en hiver, pas tout l'hiver parce que l'hiver on va jusqu'à la fin mars, enfin jusqu'au 21 mars et le sapin de Noël je l'enlève début janvier, mais je trouve que toute cette période de novembre-décembre où on a déjà le sapin de Noël, où on commence à envisager les couleurs de Noël, et ben mine de rien, ça apporte une autre aussi, une autre énergie à la maison. Et pour ceux qui sont pas du tout déco de saison, eh ben, j'aurais tendance à dire, je viens juste d'y penser, hein, la déco de Noël, c'est juste une déco de saison finalement. Hein. Et je sais pas vous, mais moi j'ai toujours adoré décorer pour Noël. Alors c'est toujours mon kiff, ça, faire un beau sapin, sortir des décos. Ça, les décos de Noël, chez moi il y en a toujours eu, alors que la déco de saison, non. Hein. Et du coup, bah, je trouve que décorer avec les saisons, c'est un bon pendant à ces décos de Noël qui finalement, moi, me rendaient toujours très heureuse. Et le reste de l'année, bah, c'est un peu tristoun. Donc voilà, maintenant on a les décos de saison. Je voulais vous parler du coup des chines, enfin de chiner, de récupérer, de vieillir, ça je l'ai dit. Moi mes meubles, à part quelques meubles qui viennent de chez Ikea de quand on a emménagé ici, la plupart sont quand même des meubles chinés. Hein. Je suis en train de me rendre compte que ouais, j'ai pas mal de meubles chinés finalement. Parce que bah, tout simplement je n'aurais pas les moyens de me payer des meubles en bois noble. Hein. J'ai deux meubles en chêne maintenant. De cette taille qui sont devant moi pour mon budget quoi. Enfin là je sais que j'ai un vaisselier que j'ai payé 60€ et j'ai une table que j'ai payé 100€, tous les deux en chaîne. Alors après faut aimer l'ancien, mais voilà. Donc c'est vraiment s'acheter des meubles en ressourcerie et sur le bon coin, c'est vraiment le meilleur moyen d'en trouver. Et moi j'ai un canapé que j'ai acheté sur le Boucois, qui est un canapé Ikea, le Hector pour tout vous dire. Je l'ai acheté il y a maintenant, oh là, depuis combien de temps j'ai acheté ce truc? Ça ne fait plus de 10 ans, il n'a pas bougé. Hein. Alors je lui ai racheté une housse parce qu'il était avec une housse bleue électrique et moi ça m'électrise littéralement, mais sinon voilà. Bien, sur ce, je crois que je vous ai dit tout ce que je pouvais penser sur la déco. Donc, ben, vous allez avoir une petite partie où je vais vous montrer rapidement, hein, ça va pas durer une plombe, quelques parties de la déco chez moi. Et puis sur ce, ben, écoutez, moi je vais juste vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres pistes ou d'autres idées de déco, n'hésitez pas à toujours mettre ça en commentaire. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de regarder, de commenter, vous êtes juste des amours. Nous on se retrouve bien sûr demain pour un nouvel épisode. En attendant, vous prenez soin de vous, surtout prenez soin de ceux que vous aimez et faites bien ce que vous avez envie de faire, c'est le plus important. À demain, merci.